Oh, GG. Mais laisse tomber, tu triches toi aussi. Ouais. Mais j'ai pas triché! Mais t'as triché! On a dû croiser tant qu'il marche, chapeau! C'est pas croisé ça! Bonjour à tous et à toutes, ici Adomatski, j'espère que ça va. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, je vais investir un plutôt gros youtubeur Fortnite quand même, que vous devez très certainement connaître. Il s'appelle Jean-Fils. On va faire plusieurs 1v1 en terrain de jeu et à la fin on va compter les scores et voir qui est le vainqueur du 1v1. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir que c'est vraiment épique. Si ce type de vidéo 1v1 vous plaît, alors faites-le moi savoir en atteignant les 15 000 likes. Est-ce que vous en êtes capable? Ça, c'est à vous de le prouver en lâchant un petit pouce bleu sur la vidéo et en essayant d'atteindre les 15 000 likes les amis. S'il y a un youtubeur voilà, que vous voulez que je 1v1, n'hésitez pas à me mettre son nom en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Alors du coup, voici le youtubeur avec qui je vais faire le 1v1. Alors il s'appelle Jean-Fils, vous devez très certainement le connaître. Comment est-ce que ça va? Ouais, c'est moi Jean-Fils, ouais, ça va très bien. J'espère que toi de l'autre côté, ça va bien. Ça va super, ça va super. Et du coup voilà, c'est un gros youtubeur Fortnite, il a plus de 220 000 abonnés, enfin il est connu, normalement vous devez le connaître. Arrête, arrête. Non, mais t'es connu, je dis la vérité, hein. Je dis la vérité, t'es connu. Non. Et du coup on va faire ça sous forme de combat de construction, voilà, enfin vous allez voir et vous allez très vite comprendre. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à 200 HP, on va prendre un fusil d'assaut, donc une AR, avec un pompe, un pompe chasseur et un pistolet mitrailleur. Et directement on va aller se battre simplement. Du coup voilà, je change d'équipe, je passe en équipe 2. Parce que sinon, on peut pas se tuer quoi, et c'est pas cool. Est-ce que t'as la pression un peu là? Bah j'ai vu ta dernière vidéo, j'ai vu que tu savais putain de bien jouer, la vérité, un petit peu. Mais je pense que j'ai quand même mes choses, donc ça devrait aller. Ça va en vrai hein, t'es déterminé. Alors du coup, dès maintenant vous pouvez faire vos pronostics. Mettez en commentaire qui a gagné selon vous, soit lui, soit moi. Voilà, regardez pas la vidéo avant parce que sinon c'est pas drôle. Mais du coup, voilà, essayez de faire des pronostics et ceux qui auront raison, bah voilà, je mettrai un petit cœur à votre commentaire tout simplement. Ok, let's go. On fait à 15. Ok, à 15. Let's go. Échauffement corporel ainsi que physique. C'est parti. Yes, allez. Vas-y, premier fight à 25, c'est parti. Et on se croise. Et puis le... Ouais, on se croise et toi tu mets un chapeau, t'es sérieux toi? Bah ouais, ça on a le droit ça. Mais non, on a pas le droit, hein. Quand je dis croiser c'est parce que justement on fait rien. On fait rien de tout ça. Allez, c'est bon. Oh GG. Mais laisse tomber, tu triches toi aussi. Ouais. Mais j'ai pas triché. Mais t'as triché, on a dû croiser tant qu'il marche, chapeau, c'est pas croisé ça. Mais on s'est croisé, moi j'ai mis un chapeau. Mais... dès qu'on s'est été croisé. Ok, deuxième match les amis, il commence à 0. 1, 2, 3. C'est parti. Ok. Oh, on a eu un petit bug technique. Il y a eu un petit problème technique au début. Mais il est trop chaud, no my skill. Arrête, t'abuses. Eh, je t'ai pas touché là? Si. Ah, tu m'as bien touché, hein, même. Arrête. Mais non, il est trop chaud, Jean-Fils plutôt là, hein. Ah putain, GG. Allez, boum. GG. 1-1. Il y a 1-1. Ouh, ça c'était... ah, c'était compliqué au début, j'ai un petit problème. Mais bien joué, bien joué. Troisième round. Qui va donc gagner ce combat entre Unknown My Skill et Jean-Fils alias Johnson. Let's go, mon ami.
C'est parti à 35. Waouh, waouh, waouh. Ah, ah, c'est, ça va être serré. Ok, c'est parti. Ok, Jean-Fils qui part sur de mauvaises bases. Attention. C'est très compliqué pour le joueur belge de pouvoir reprendre la hauteur. Il va tout de même tenter de créer des offensives. Ça va être très compliqué. Néanmoins pour lui, je pense, de reprendre cette hauteur. What? Quoi? Oh, j'ai eu un bug. Ça a tiré, ça a pas tiré en même temps. En soi, c'est un petit problème, ça. En soi, ça compte. En soi. Voilà dans le chat, il y a écrit quoi? Le chat Fortnite. Il y avait écrit Unknown Skill a tué Jean-Fils avec une grande chute. Tu m'as tué, tu es le vainqueur de ce round, GG à toi. Est-ce que tu veux que je te présente un coach pro Fortnite de 13 ans? Ah mais je comprends, moi je vais même pas mettre 200 HP, je suis con moi aussi. Non mais tu serais mort dans tous les cas, t'es bête. T'es mort de chute. Ça c'est ce que les gens disent. Mais est-ce que tu veux que je te présente un coach pro Fortnite de 13 ans qui peut t'apprendre à jouer? Ouais, pourquoi? Bah mais il peut t'apprendre plein de techniques de jeu. Qui ça? Un coach proche. Ouais, vas-y. Il a 13 ans et il s'appelle Full S Draskol. Ouais, j'ai besoin d'eux parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire des tournois et tout, mais le problème c'est que mon niveau il est pas assez puissant pour pouvoir faire des tournois. Ouais, non, j'aimerais trop être invité au skirmish et pouvoir gagner des centaines de milliers de centimes. Donc voilà. Ouais, bah après je vais te le présenter. Il a fait des tournois et tout. Il a fait des tournois et tout avec Gotaga et c'est 5€ l'heure. 2-1 pour le masking. Let's go, motherfucker. C'est parti à 0, 3, 2, 1. Directement, le match qui est entamé juste ici entre Jean-Fils et No Maskill. La phase de tryhard directement qui est enclenchée du côté des deux joueurs. Le joueur belge qui va peut-être tenter de reprendre la hauteur. Malheureusement, c'est un avantage qu'il a perdu. GG. Ok, du coup c'est parti, on va faire le match. Enfin, on va rejouer un petit peu le match dans lequel il est mort de chute pour voir un petit peu si serait équitable à 40. Ah putain, GG. Du coup, ça fait combien? 3-2 là. 25. Ok. C'est parti. Allons-y, let's go. Attends. Oh là là, putain, il te reste 2 HP. 21. Oh, j'ai le seum. Holy shit, c'était serré, hein. Putain, mais il y a eu un bug. Je t'ai tiré dessus, ça a fait les petits trucs de cartouche rouge là, mais t'as pas eu les dégâts. Ah, c'est le bug? À cause des lags serveurs. T'as pas de chance. Pas de chance. Putain, mais. C'est des choses qui arrivent, Du coup, on va faire un petit fight. Je pense qu'on va encore faire un ou deux. Parce que là, attends, il y a combien? Il y a 4-2, je crois. 4-2? Ouais. Moi, je crois qu'il y a 4-2. Du coup, voilà, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Vas-y, à 50. Ok. Let's go! Ah, j'ai un petit peu commencé en retard, mais c'est pas grave.
GG. Holy shit! J'ai eu peur sur la fin, hein. Ah, mais moi j'ai pas eu peur. Pourquoi? Parce que je savais que j'étais mort, fieu. Pourquoi? Mec! Allez, j'en fiche, courage! Il est où, En bas! Allez, 5! 5 de ground! 5-2, allez, tu peux au moins faire 5-3, genre. Ok, donc je pense qu'on est parti pour la dernière là. Donc on rappelle le score, est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Tu es à 5 et moi je suis à 2. Malheureusement pour moi. C'est pas de chance, hein, c'est pas de chance. Pour le joueur, pour le joueur belge. Du coup, à combien? À 15. Ok, pas de sauce. Pas de sauce, Jean-Fils. Directement, Jean-Fils qui va tenter de prendre la hauteur dès le début de partie. C'est un avantage considérable. Hop là, tac, tac, tac. Hop là, tac, tac, tac. Hop là, tac, tac, tac. Oula. Allô, Jean-Fils? Oui. Ça va? Putain, je suis coincé. C'est des choses qui arrivent dans la vie d'un joueur pro. Je t'ai touché là quand même. Non. Non, vraiment? Ah si, tu m'as touché. Mais là, je t'ai touché là. Je t'ai touché. Bah laissez moi. Par contre, question, qu'est-ce qu'on fait quand on a plus construit? T'as plus de construit? Bah non. Ah bah c'est pas de chance ça. Comment ça t'as plus de construit, espèce de menteur? T'es un menteur, hein? T'es un gros menteur, hein? Il me restait 50 de construit. Ah et ça c'est... C'est du mensonge pur et dur, hein. Tu sais que j'allais descendre. Ouais, mais t'avais de quoi mettre des escaliers encore. Hein. Moi je crois que t'avais vraiment plus rien, quand même. Yeah. 19, ça oui. GG. T'es plus fort que moi, il paraît. Non. Mais seulement aujourd'hui, quoi. Seulement. Ah, seulement aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être envisager une deuxième partie où il y aura une revanche? Une revanche? Il y a 15 000 pouces bleus en dessous de la vidéo là. Voilà, 15 000 pouces bleus, il y a une revanche. Pour une revanche de sa part. On refera un 1v1 de la même façon. Yu, je pense, il sera un petit peu plus chaud parce qu'il sera entraîné. Mais spécialement pour cette vidéo, tu vois. Bien sûr. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, 15 000 pouces bleus. On refait une deuxième partie avec Jean-Fils où on va simplement refaire la revanche de son côté. Et puis voilà, quoi. Hein, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si c'est pas encore fait. Comme ça, vous savez quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. C'était Nomad Skill. Ciao.